Je fais souvent référence à Paul Ricoeur, et en fait, il évoque une troisième souffrance qu'on évoque assez peu et qui pour lui est centrale, et je suis assez d'accord avec ça, qui est une souffrance qui est liée au sentiment d'impuissance. Et il définit l'impuissance comme l'incapacité de pouvoir agir sur les choses qui sont importantes pour nous. Et ce qu'il préconise, eh ben, c'est le passage à l'action.